Malon ou tsekbe, ale ke kale sike, anon amala, ye malon ou pekbo, ete o. Mia tok blikbe mama ou, ou o to sinu, vlide ngigwan la dati, nan yek li o siya. Dobo nye nan yek li o, azo ve vie vie. Si a tui ve vie ou Jinge pe Jinge pe De pe a fisi o chindola Ale ke kale sike Nano namala Nye manglo bekbo bete o Jinge pe Jinge pe Vous allez bien. J'adore votre voix, elle est extraordinaire, elle est sublime. Un mercredi matin, commencer avec une chanson citoyenne qui redonne encore ne serait-ce que vie à notre citoyenneté, à notre amour pour la patrie, c'est extraordinaire. Merci. On a beaucoup aimé, nous avons apprécié. Merci. Même si les gens n'ont pas beaucoup applaudi, j'ai foi qu'ils ont aimé dans le studio, je l'espère. J'entendais qu'ils allaient applaudir en fait avant que je ne continue, mais personne n'applaudit, je ne sais pas grave. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. On applaudit, hein, c'est ça. En tout cas, c'est un gros plaisir d'être avec toi ce matin. Je suis très impatient de te découvrir, de te faire découvrir peut-être aux téléspectateurs et tout ce qui va avec. Je sais qu'on va le faire, on va passer un bon moment de l'émission avec toi, n'est-ce pas? Oui. Alors, chers amis, soyez les bienvenus dans l'émission fun et éducative Nectar, l'émission qui donne de la très bonne humeur, qui... est pleine de saveurs, bien sûr. C'est Nectar, c'est nous. Nous sommes là avec un petit retard, vous nous excusez. Aujourd'hui, nous avons un programme alléchant, bien sûr, après la belle voix de notre artiste qui va se présenter dans quelques instants. Hein. On va découvrir après des jeunes magnifiques, des jeunes talentueux qui font aussi dans l'engagement citoyen, qui font des activités sociales et qui travaillent bien évidemment ici au Togo. Après cette découverte, nous irons aussi dans le monde du livre. Vous savez que c'est mercredi, qui dit mercredi dit Émilie Degbé, qui a la sagacité, la clairvoyance. Elle maîtrise les livres, elle maîtrise donc les mots et tout ce qui va avec. Elle nous parlera bien sûr d'un roman ou d'une œuvre. Vous verrez, surprise et tout. Nous avons Navi Sandy qui, voilà, cette semaine, elle fait lundi, mardi, aujourd'hui c'est mercredi, donc elle a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de la semaine. On est très heureux, on est très ravis de l'avoir. Avec elle, nous allons encore parler d'un sujet. Et comme d'habitude, elle a des sujets, je ne sais pas comment elle arrive à les trouver, des sujets qui vous font sursauter, qui vous font réagir. Elle va encore en amener aujourd'hui, forcément, elle parlera de la douche qu'il faut laver ou d'une serviette qu'il faut vite sortir. Ou du pied, voilà, elle m'a fait donc un gros signe de l'autre côté, elle dit qu'elle a parlé du pied. On va voir si c'est le pied des joueuses de football, les épervières dames qui malheureusement ont été défaites, enfin pas défaites, elles ont gagné le match d'hier, 2-0, mais malheureusement elles ne continuent pas l'aventure pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc, malheureusement. De toute façon, on est fiers de vous avoir. Alors l'émission d'aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça, un ensemble pour vous faire du bon plaisir à la maison et j'espère que vous allez aimer comme je dis le matin. Prenez un bon thé, asseyez-vous et c'est parti pour l'émission. Vous savez, Nectar, c'est toute une équipe et je vais donc appeler les premières personnes, les premières élues comme à l'école. Candidates et candidates approchées. Première de la liste, Émilie Degbé. Est-ce que tu peux t'approcher d'ici, s'il te plaît? Voilà. Émilie Degbé qui arrive glorieusement. Personne ne l'applaudit, mais c'est pas grave. Elle va arriver quand même. Ah, c'est fou, hein, tu vois. J'ai incité les gens à t'applaudir. Ça va, toi? Oui, ça va. Oh, Émilie. Oh, Elias. J'aime faire pour tes cheveux. Ah,
Ah, c'est quoi le secret? Ça m'a coûté cher quand même. Hein. Ah oui? Ouais. Ah, c'est normal. quand c'est beau, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Bien sûr. Ah, ça va? Oui, ça va. Et c'est une joie de retrouver nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices pour ce mercredi matin en fraîcheur. En tout cas, je sais que le réveil a été difficile chez beaucoup de personnes parce que oui, on avait juste envie de continuer le sommeil, de se réveiller à 8 heures comme ça. Mais non, le devoir nous a appelés. Du coup, ben, on est là. Bonjour à vous. Ça va parler de livres aujourd'hui. Le fils d'Agata Mudjo. Voilà. Ah oui. C'est ce que nous allons découvrir comme roman aujourd'hui. Donc, soyez avec nous. Ici, c'est Nectar et c'est fun. Livre très intéressant. Et l'artiste qui est avec nous, je pose une question rapidement. Est-ce que tu aimes les livres, toi? Dans le micro? J'aime les livres. Ok. La question que j'allais poser après n'est pas bonne, mais je vais la poser. Attention. Ouais, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? J'invite Mavis Sandy à venir. Mavis Sandy, Coach Sandra. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit en même temps la dernière chanson qu'elle a apprise, donc tu vois, je l'ai collée un peu. Navi, comment tu vas? Cool, Elias. C'est quoi cool? Bonjour, je vais bien. C'est quoi cool? Je vais très bien, ça va. Ça va bien? Ça va bien. Ah, tu as un sourire glacé. Oui. Bon, comme tu aimes remarquer, Émilie vient de dire le réveil ce matin là même. Mais bon, comme on est toujours fidèle à toutes ces personnes qui nous suivent, on s'est dit, on rentre dans le devoir. Donc, on est encore là pour partager les bonnes humeurs, les bonnes informations et surtout rester calé. Beaucoup d'amour que nous avons pour vous ce matin. Et bien sûr, Navi Sandy qui rayonnement, radieusement, éblouissantement. Ça se dit en français. Ça se dit pas en français. J'ai un pot chez moi pour toi. Un cours. Un pot. Un pot. De quelque chose. Les enfants m'ont dit de te remettre. J'ai dit. Quand on tombe, il est son loda, Elias. En tout cas, c'est avec donc toute cette belle équipe-là que nous allons réaliser l'émission aujourd'hui. Il s'agit donc de Papa Claude, qui est juste devant là, avec la caméra 4. Enfin, il est partout. Je l'ai vu un temps à la caméra 3, là, il est à la 4. Et c'est-à-dire qu'il va être l'homme à tout faire ce matin. Mais il n'est pas seul. Ce matin, nous avons aussi M. Simon Akota, l'hyper-sénégalais-togolo. Pour ne pas dire togolais simplement, qui est avec nous, l'ami intime de, pas intime, mais l'ami très proche de Madame Aïcha. Ok. Ouais, je le dis avec des pincettes parce qu'elle suit. Ah. Et elle dira encore blague, elle est intime. Toi-même, tu sais. Je sais. En tout cas, il est avec nous, Monsieur Simon, un plaisir de l'avoir comme toujours. Nous avons Monsieur Colani, qui est au niveau de la régie, si j'ai la bonne mémoire, c'est lui. Il m'a fait de. Elias, c'est un question de voilà, donc on est entre nous. Comme je l'ai dit, vous êtes de mon papa. Donc quand papa, quand l'enfant fait quelque chose, papa comprend et il excuse. Donc, on est ensemble, M. Colani. Et puis, on a fait, nous rejoignons, l'espère bien. Et toute l'équipe donc, des preneurs de son qui sont derrière de l'autre côté, on donnera leur nom dans quelques instants. Soyez les bienvenus, comme j'ai dit. On va aller avec le clip d'introduction. Ça vous dit de danser? Bien sûr. Les chaudes, là, pour danser? Ouais. Vous voulez danser? Oui. OK. Alors, on va aller avec Baby Philippe qui nous offre le titre. Attends, tu vas lire le titre avec moi ou je le fais seul? Baby Philippe, quand il te donne ça. Ah, quand il te donne ça, cette chanson qui fait fureur. Hein, ah, oui, vraiment. C'est bon? Quand Dieu nous donne des bénédictions. Ouais. On va danser ici et juste derrière, on va retrouver l'artiste. C'est parti pour le clip. Il me reprend jamais.
Nectar d'aujourd'hui a été musicalement musicalé. On a commencé donc avec une artiste, on a enchaîné avec Baby Philippe de la Côte d'Ivoire avec cette belle chanson. Quand il te donne ça, une chanson sur laquelle on a dansé en studio, je l'espère. On a dansé, n'est-ce pas? Oui. Vous vous confirmez? Non, mais... Mais je suis sûre qu'on a dansé, là. Confirmez bien, non? Mais on confirme. On n'infirme pas, on confirme. Voilà, on n'infirme pas, on confirme. Donc, on a bien dansé, rassurez-vous. En tout cas, belle chanson. Ouais. Beau clip, n'est-ce pas? Beau clip et la chanson, en tout cas, la partie, quand il te donne ça, ça fait beaucoup plus de fureur sur TikTok. Ah oui? Donc, moi, quand c'est comme ça, c'est cette partie-là que je garde, en fait. Je ne pousse plus la curiosité d'aller voir le clip. Mais en visualisant le clip tout à l'heure, je me suis rendu compte que ben, c'est un travail complet que le monsieur a fait. Mmh. C'est quand même baby on the track, donc ça ne peut qu'être que ça. En même temps, c'est, je sais pas, c'est le revers de la médaille avec TikTok. On se concentre sur le refrain ou sur la partie qui fait le buzz et après la chanson elle-même, on ne sait même pas qui l'a composé des fois. Ouais. On a que le refrain en tête ou on a qu'un bout de partie en tête et puis on oublie. La semaine passée, il y avait une bonne dame, tu sais que des fois, le samedi matin, quand les bonnes dames se réveillent pour faire la lessive, il y a la musique à côté. Hein, voilà. Donc, j'ai eu à constater qu'elle a rassemblé les refrains là, sur lesquels on fait les trends sur TikTok. C'est tout ce qu'elle a rassemblé, en fait, qu'on playlisait. Donc, quand ça finit, ça reprend. Quand ça finit, ça reprend. Donc, c'était que des extraits. Donc, franchement, oui, c'est le côté qu'on doit revoir de la chose, peut-être. Mais on ne peut pas aussi mettre la totalité de la chanson sur TikTok, mais c'est à nous, les consommateurs, bien les consommatrices, d'aller sur YouTube pour laisser des vues là-bas, parce que en fait, c'est l'objectif pour lequel les artistes laissent les extraits sur TikTok. Très important d'aller donc fouiller et connaître les artistes. C'est comme l'artiste qu'on a ce matin, dont peut-être vous connaissez la chanson, et dans le refrain, mais vous ne savez pas que c'est elle, c'est possible, hein, on ne sait jamais. Bonjour, comment vous allez, cher artiste? Bonjour, je vais bien. Vous allez bien? Oui. Ah, vous êtes fatigué? Non? Non, faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Parce qu'on s'est dit des choses avant au début. C'est ça. Voilà. Mais tout va bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Alors, on est impatient de vous découvrir, de vous connaître. Je sais que M. Simon, qui vous cadre de l'autre côté, veut découvrir qui est derrière cette belle voix. D'accord. C'est quoi? Merci. Je suis Sekbeku Afi Victoire Maopemo. Je suis esthéticienne et je suis également dans la vente des produits vestimentaires. Je suis artiste. Merci. Artiste. Ok. Si j'allais m'attaquer à votre première casquette ou à votre premier chapeau, je dirais que vous êtes bien assise. Vous êtes de la bonne personne. Ouais. Mais je ne vais pas le dire comme ça. Je vais donc attaquer la troisième personne que vous êtes, sinon l'artiste. Vous faites dans quel genre déjà? Première question pour vous. Je fais du gospel. Gospel? Oui. Ah. C'est-à-dire vous chantez le nom de Dieu. Voilà. Très important. C'est ça. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Rien du tout. Exactement. C'est lui qui est le maître des cieux. Ouais. Voilà. C'est très important. Ouais. Mais là, j'ai constaté que vous avez commencé avec une chanson, pas gospel peut-être. Ouais. Et une chanson, je dirais, citoyenne. Voilà. Pourquoi avoir fait un choix pareil? Pourquoi ne pas commencer par Maobabé, qu'on connaît tous, et vous avez choisi cette chanson? Je dirais que vu que nous sommes tous des Togolais ici, j'ai voulu faire hommage à notre grande dame, notre grande sœur, Bella Bello. La danseuse Bella Bello, la diva. Hein. Voilà. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que, voilà, on parle de citoyenneté. Voilà. On parle de promouvoir tout ce qui est 228. Et c'est donc très bien d'avoir commencé par cette belle chanson qui parle du Togo. Et à la diva. Merci pour le choix. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, comme à l'église. Alors, l'église. Ah, comment non, l'église, hein? On peut carrément faire une église ce matin si vous voulez. Mais sans la quête, hein? Comment? C'est la belle partie. La vie? Non, ça va. Ça peut aller. Alors, avec vous, ce matin, nous allons faire le tour de votre carrière, essayer de vous découvrir un tout petit peu, si vous le permettez, bien sûr. Première question pour vous, comment avez-vous commencé la musique? Depuis le ventre de votre maman? Non. Parce que, attends, je vais te donner les réponses des artistes gospel. Il y a deux réponses qui viennent souvent. Depuis le berceau, un ange. Peut-être que sa maman chantait. Ah, m'a chanté et puis elle a chanté. Ou l'autre réponse aussi, c'est qu'elle dormait. Et puis, tu vois, Dieu est venu. Mon enfant, il est l'heure que tu chantes pour moi. Réveille-toi. C'est la voix de Dieu. Mon enfant. Voilà. Il est l'heure que tu chantes pour moi. Et puis, tu vois, comment il y a une tradition d'un ange. À côté. En éveil ou comment? Non, je peux suivre Dieu quand Dieu dit, mon enfant, viens. Viens.
Bon, on vous laisse le temps, c'est mieux, parce qu'en plus, okay. De base, je dirais que je chantais déjà à l'église et j'étais dans le groupe musical. Ok. Et avec le temps, j'ai décidé de me lancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les covers. Ok. C'est quoi les covers, déjà? Il faut qu'on sache, parce qu'il y a une maman qui nous suit. Il faut que je la sauve, là. Les covers, c'est quoi? Ok. C'est ça. À ta façon, voilà. Chanter la chanson d'un artiste à ta manière. On prend l'exemple de Bella Bello, par exemple. Voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est un cover, non? Ou c'est une reprise, c'est quoi? C'est une reprise. Voilà. Donc, cover, c'est plus technique et tout voilà. Ça. Ah, okay. Donc, du groupe musical, vous êtes passé aux covers? Voilà. Et après, j'ai fait sortir mes propres morceaux. Ah, sur inspiration divine, forcément. Un plaisir de le savoir. Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Alors, l'autre question que j'avais pour vous, peut-être... vous avez parlé du gospel que vous faites. Oui, quel genre de gospel, forcément? C'est quelle tendance? C'est quel, vous faites du tout? Je fais du tout. Je fais du reggae, du high life, et du worship et autres. OK. Vous nous offrez quelque chose tout de suite maintenant. C'est bon? OK. Vous faites quel choix? Worship. Worship? Ah, on va donc s'agenouiller. Si vous voulez. OK, c'est parti. On va lever les mains. On va lever les mains. Ce sont les signes. De... Il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Alors, comment arrivez-vous à... parce que vous avez une belle voix, on est d'accord. Comment arrivez-vous à travailler là-bas? Vous faites comment? Je fais des exercices. OK. Vous mangez pas de WhatsApp. WhatsApp, c'est... C'est quoi? Très clair, hein, parce que... C'est quoi WhatsApp nous, vous ne comprenez pas? Moi, je comprends. Ça, je comprends parce qu'on se connaît. Ouais, ouais. Mais vous connaissez WhatsApp? Non. C'est comment on appelle ce que Bachana mange d'habitude ici? Ouais. Shawarma, il dit Aula. Il a un nom technique. Gaou, peut-être? Non. C'est pas Etememe, là, rien de là.
Il y a un nom spécial pour ça. C'est comme du charme. En tout cas, vous ne mangez pas pour la voix. Je mange quelquefois. Ah bon? Pourquoi Bachan ne chante pas? Oh. Tu devrais avoir une belle voix, non? Non, est-ce que ça permet d'avoir une belle voix? Elle dit que en fait, des fois, elle s'offre ses plaisirs là, mais pas trop. Ok. Ouais. Voilà. Vous parlez pour elle, hein? Merci, j'ai compris. en tout cas, victoire, c'est ça, chante victoire. Belle voix. Merci. On a aimé la prestation, on a senti quelque chose, hein, pour ne pas dire une présence, je dirais. Merci beaucoup pour le travail que tu as, Barbe. Question pour toi. C'est combien déjà de chansons vous avez sorties depuis votre lancement de carrière? Actuellement, j'ai deux morceaux. Ok. Deux morceaux. Ils sont mes propres morceaux. Voilà. Mes propres morceaux sur... J'ai deux singles. Deux singles. On peut connaître les titres? Il y a Alléluia, que j'avais sorti en janvier 2023. Ok. J'ai passé. Et tout récemment, Bubuna encore. Okay. Honneur à ton nom. Okay. Il y a un mois. Il y a juste un mois. Ah, tout ça fait en 2023. Voilà. Ah, mais super. Super. Avant de demander que tu ne. Peut-être nous interprètes. Enfin, que je. Inter. Oh, c'est Emily. Ça. Emily, c'est ça. Le mot, c'est quoi? Attrape-moi. Que tu nous interprètes donc une de tes compositions, on l'espère bien. Moi, je dis, Emily, qu'est-ce que tu penses de cette jeune génération d'artistes aussi qui arrivent dans le milieu gospel? Moi, j'ai eu à écouter le cover du bon Didi, je pense que c'est ça, de V-Shine. Ah. Et moi, j'ai vraiment aimé la façon dont elle est entrée dans la musique, surtout le gospel. Moi, je dis souvent aux artistes gospel, vous pouvez avoir une belle voix, mais c'est d'où vous passez pour rentrer. Là. C'est ça qui fait que vous restez, soit vous repartez. Mmh. Parce qu'il faudra commencer quelque part. Et quand elle prend cette chanson qu'on a tous fredonnée à l'église, dans nos moments de difficulté et qu'elle reprend ça redonne vie à la chanson et ça fait waouh, c'est qui, je veux bien aller voir sur sa chaîne YouTube et tout. Moi, c'est ce qui m'a quand même poussé à découvrir en totalité l'artiste. Et c'est vrai que j'ai eu le privilège d'écouter le titre dont elle parle. Elle a sorti un mois, Honneur à toi. Franchement, le côté sonorité a été vraiment considéré. Et il y a eu un travail qui a été fait sur ce que tu écoutes avant de prêter attention aux paroles de la chanson. Donc cette nouvelle génération, tu n'es pas sans savoir que la nouvelle génération a une belle voix, mais c'est les compositions qui restent. On va pas se lasser de le dire. Donc qu'est-ce que moi je propose quand même, c'est de s'inspirer de ces chansons là qu'il y a déjà. Nous avons les chansons de Madame Adjenou Emily, beaucoup de ces anciennes. Beaucoup de grands noms, des anciennes chansons qui sont là, donc vous pouvez commencer par là. Faites des reprises comme ça et je pense que l'inspiration divine va venir d'elle-même. Moi, j'ai eu à poser la question, mais pourquoi c'est difficile aujourd'hui de composer pour surtout cette nouvelle génération? J'ai eu à comprendre qu'il y a déjà le coût de la vie qui est à considérer. Et puis, les mamans là, qui avaient sorti des chansons qui ont perduré ou bien qui ont traversé le temps, ont de surcroît chanté leur vie. Vous voyez, voilà, elles ont plus à chanter leur vie. Et aujourd'hui, peut-être que la jeunesse n'a pas encore vécu beaucoup de choses pour se mettre à chanter quoi que ce soit. Il faut attendre d'abord d'avoir vécu. Ouais. Non, mais elle connaît son travail. Donc, peut-être qu'il faudra reprendre ces anciennes chansons-là, comme V-Shine l'a si bien fait. Et voilà, la nouvelle génération, que de grâce pour vous. Nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui, il y a la qualité. Il y a la qualité qui est remarquée. C'est vrai qu'avant, il y avait des chansons, mais quand on écoutait les sonorités, c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, même si c'est un cover, l'artiste fait tout pour que, quand on écoute ce qui est en dessous, franchement, que ça capte d'abord avant qu'on ne prête attention à la parole ou bien au test. Donc, félicitations, big shout-out à toute cette nouvelle génération. Alors, artiste Vishan, est-ce que vous confirmez ce qu'elle dit, ce qu'Emilie a dit? Je suis d'accord. À 100%. Voilà. Ok, super, super. En tout cas, on a parlé d'un cover, Digbodidi. Digbodidi. Je sais pas, on dirait cette chaise-là, ça fait peur de lever. Hein. Bonjour, Amanda Aïcha. Pourquoi j'ai dit ça? C'est
est sorti. Alors, on parlait du cover, quoi, Zig Bondili, c'est ça? Ouais. Zig Bondili, vous nous en faites quelque chose, vous nous l'offrez ou pas? Ou vous pouvez, quoi, votre chanson, une de vos chansons ou... Oui, une de mes chansons. OK, allez-y. High life. OK, c'est parti. We glorify your name. We magnify your name. We glorify your name. We magnify your name. Glorify your name. Glorify your name. We glorify your name. Glorify your name, glorify your name, we glorify your name. We glorify your name, we magnify your name. We glorify your name, we magnify your name. Glory, glorify your name, glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Oh Lord. Oh Lord. We glorify your name. We glorify. Shine, c'est extraordinaire cette chanson. On peut la retrouver donc sur tes YouTube. Comptes sociaux. On peut s'asseoir, c'est bon. Voilà, parce que c'est pas une punition. Personne ne nous retient de vous. Alors, donc YouTube, on tape quoi déjà? On saisit le nom. V-S-H-I-N-E. V-Shine. Ah, ok. V-Shine. Voilà. Ah, pourquoi un nom? Pourquoi ce nom? Pourquoi? J'allais poser la question. Ah, tu vois, ouais. Je suis rentrée dans tes pensées et je l'ai sortie. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Je okay. savais. Je m'appelle Victoire, donc je dois briller. Ah okay. Ouais, donc Victoire qui brille. Alors. Voilà. Okay. Donc c'est le V pour Victoire voilà. Et le Shine pour... Shine, like shine. Yeah. Ouais, ouais, ouais. Et puis le tiret pour... faire le lien. Pour faire le lien voilà, il fallait en tirer là-bas, tu vois. Ouais, en tout cas, j'aime bien. Et il y a un message pour toi, Victoire, qui dit « Salut Nectar, je vous espère en pleine forme. Une bonne suite d'émissions à vous et spéciale à l'artiste Victoire depuis 2013, c'est ça? Qu'on s'est séparés à CFOP. » CFOP, c'est j'ai lu C-E-F-O-P. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je la retrouve sur Nectar. C'est son bro, Bleza, le fils du camp. Le bro. Bon. Maintenant, si Victoire se rappelle de vous ou pas, on ne sait pas encore. Et elle nous dira comment vous vous êtes séparés. C'est dans de bonnes conditions ou de mauvaises conditions. Mais séparation, là, c'est fort. Hein. Vous êtes séparés comment, Victoire? Non, mais spirituellement, peut-être non. Religieusement, tu vois. Amicalement. Voilà. Merci, amicalement. Mais ça vous reviendra. Ça vous reviendra. Après, c'est après. Sûr. En tout cas, Victoire, merci beaucoup. Merci sincèrement, à vous je trouve également. Que nous aimons ce que tu fais. Merci. Et on va continuer par pousser comme on peut, de notre côté, et vivement aussi que les téléspectateurs aient aimé et qu'ils vont peut-être, pourquoi pas, te soutenir comme cela se doit. Merci. À moins que tu n'en aies pas besoin, tu diras. Comment non, ça? Non, on ne sait jamais, non. Peut-être moi, ma belle. Parlons-en. C'est comment la carrière? Est-ce que tu as besoin de, je sais pas, d'une maison, d'un producteur? Tu as besoin de quoi? Ouais, j'ai besoin de tout ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ouais, tout quoi, concrètement. D'aide, de l'argent et autres. Ah oui? Why not? Le temps a changé. Le temps a changé, au point que c'est que l'on gagne. De l'argent!
En tout cas, moi, je trouve que, déjà que tu fais de bonnes choses, que tu fais, que tu as une belle voix. On a senti quand même une présence quand tu chantais. Donc, forcément, les gens qui nous suivent à la maison, ils seront pas indifférents. Voilà. Je dirais plutôt, ils seront pas indifférents à ce que tu as fait. Donc, comme tu as si bien dit, c'est V-Shine. Oui, c'est V-Shine. Sur YouTube. Et Facebook. Et Facebook. V-Shine. S-H-I-N-E. Allez suivre l'artiste. Ouais, et voilà, allez suivre l'artiste. Déjà, écoutez ses contenus. C'est très important. Surtout la chanson. La chanson. Elle a sorti dernièrement. C'est à mettre dans sa playlist pour les fêtes de fin d'année. Ah oui. C'est dansant. Voilà, déjà clippé ou pas encore de clip. Ouais. Mais il y a quand même le lyrique qui. Mais le lyrique est là. Ouais. Disponible. Donc allez-y si vous aimez peut-être soutenir l'art, faire le clip. Ou l'esprit n'a pas dit qu'il faut un clip. L'esprit a dit qu'il faut un clip. Ouais. Ah l'esprit a dit ça. Ouais. Donc je parle donc au nom de je ne sais qui et je dis qu'il faut un clip. Hein. Il faut un clip pour la chanson. Et n'hésitez pas peut-être à la soutenir. On prend un refrain du nouveau ou pas? Ou tu n'es pas inspiré pour ça ce matin? C'est lui qui décide, hein, n'est-ce pas? Comment? C'est ça, je viens de chanter. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, c'est le nouveau qui a chanté là? Ah, ok. Bah, allez-y. On va partir avec ça. Un dernier pour la route, on dira. Ok. Ouais. C'est comme tu veux, tu peux te lever. Moi, je vais voir ton pianiste, en fait. Je vais ton pianiste, je voudrais... Un effet maintenant. Ok, je voudrais qu'il se présente. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien? Ça va bien. J'ai hâte de te découvrir parce qu'on a fait l'émission sans te saluer. Je pense que c'est un crime contre... L'humanité, hein? Contre les barbus. Ah, ok. C'est quoi le nom? C'est Obimpe. C'est un nom ghanéen. Ah, ok. Voilà, donc tout pour couper, je m'appelle Obi. Obi. Très simple. Ok. Et le Mpé, là, on laisse ça... Non, ça... On laisse ça gagner. donc vous êtes gagné? Non, je suis d'Akoso. Akoso. Ouais. Dites un mot aux gens qui nous suivent là, dans votre langue. J'espère que vous comprenez. Hein. J'ai confiance. Actuellement, il y a un vieux Akoso qui dit « Devi Ambaladio ». Voilà, okay, je te laisse le micro. Okay, prends le micro. Bon, je ne comprends pas trop, mais bon, okay. Juste « Eulessé », ça veut dire « Merci ». Ah oui? Ouais, donc... Pourquoi tu n'as rien dit? Non, mais vous laissez là, je comprenais depuis. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Pianiste professionnel, c'est ça? Non. Pianiste quand même. Pianiste, voilà. En tout cas. Alors, Vichan, on vous laisse quand même. Allez-y, allez plutôt avec le pianiste. Obim. Mie don kode chi. Mie kafu onko kokwe. Bubu na onko. Bubu na wonko, mie kafu wonko da. Mie do wonko de chi, mie kafu wonko kokwe. Bubu na wonko, bubu na wonko, mie kafu wonko da. Bubu na wonko, bubu na wonko, mie kafu wonko. C'est tout ce qu'on te souhaite. On espère que, que tu crèves l'écran un peu partout, que tu aies de grandes scènes. Amen. Et surtout qu'il y ait des mécènes peut-être qui t'accompagnent aussi. C'est très important. Et là, elle a fait un visage de, je ne sais pas, ah ouais, elle me verrait là. Belade. En tout cas, merci beaucoup, V-Shine. Merci d'être passé sur notre plateau ce matin. Merci à toute l'équipe. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre peut-être un contact, un numéro que tu pourras donner aux téléspectateurs. D'accord, pour te soutenir, on ne sait jamais. OK. Le 92 70 55 97. Une fois encore, 92 92 70 55 97. Voilà. Allez-y, appelez. Pas pour autre chose. Ouais. Hein? Tu as dit pas pour autre chose. Ok. Même si c'est pour une collaboration spirituelle, c'est possible, n'est-ce pas? Qu'il en soit ainsi. Amen. Allez, appelez donc le numéro 92.
70 oui. 55 97. Voilà, le numéro magique pour la journée. Prenez seulement, écrivez et aidez. Aidez, c'est très important. Victoire. Ah! Vous êtes direct dans ce pays. Les gens ne voient pas derrière. En tout cas, merci beaucoup. On va aller avec le jingle et juste derrière, on retrouve les prochains invités. Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils ont de belles choses pour vous à nous dire. Allez, c'est parti. Jingle. Massage. Manucure, pédicure, soins du corps, soins du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Dagué, sur la route d'Anéron. Contact plus 208-90-27-92-00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Alors voilà, nous sommes de retour. Et il y a Wanda qui vous fait de bons trucs ici, que je trouve ça extraordinaire. Bonjour. Wanda, nous t'aimons. Alors félicitations à vous pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. C'est de la part de Guillaume Agbevohia, c'est ça? Depuis Adido Gomé. Merci beaucoup, merci. Monsieur Guillaume. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je sens la présence de l'Esprit Saint qui plane sur vous avec les belles mélodies de notre sœur Victoire. Et... Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai lu le message spirituellement. Vous avez senti la voix. Qui a senti l'intonation spirituelle là-bas? Oui. Personne. Moi, tout le monde. Elle a senti. Gloire à Dieu. Amen. Elle fait ça pour qu'à la fin, je puisse l'amener là-bas. Ah je bon, pense hein? que ça ne peut pas marcher pour le moment. Okay. On ne sait jamais. Continue seulement comme ça. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Force à la chanteuse. La chante, on dira donc Dieu est dedans. Oui. Depuis Atakpamé, merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. J'ai un problème, aidez-moi. Je vais lire. J'étais chez ma grande sœur et j'ai... Prenait, ça, j'étais donc la coiffure. Elle était tombée malade et était partie à l'hôpital plus d'un mois. Et moi, mon petit ami, me donnait de l'argent. Je préparais pour lui et au retour de ma... Elle a appris tout. Elle m'a renvoyé de chez elle. Et je vis avec mon gars. Un jour, j'ai pris son téléphone, il écrivait avec des filles. Et une voilà vraiment venir lui rendre visite. Et mon gars refuse toujours la fille, lui demande du bien, répondu, tout ça. Oui. Comment je vais faire on va relire le message à tête reposée. Parce que là, là, je comprends. Émilie arrête de me faire ce que je ne veux pas faire. Et avoir relu le message à tête reposée et vous revenir, forcément. Hein. Mais je trouve que c'est un problème quand même très important. Et on va donc accorder de l'importance à ce problème demain, si tout va bien, n'est-ce pas? On va prendre le temps de bien relire. Et voilà. Sinon, ne vous inquiétez pas. On espère que tout ira bien. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent. Bonjour les amis, comment vous allez? Vous allez bien? Pourquoi les gens ils disent toujours bonjour sans micro?
Vous l'avez remarqué, non? Bonjour, madame, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Oh là là. Vous savez que vous avez un foulard rouge de l'autre côté, là, derrière? Oui, oui. Vous le savez? Oui. Vous avez vu du rouge aussi, c'est quelque chose que j'ai porté là, un rouge quelque part pour, sur moi aussi. Oui, oui. Ouais, ouais. Vous savez qu'on a, c'est-à-dire il y a une symbiose, je sais pas, il y a une, rouge, une symbiose rougeale, on dira. Et quand je sors des mots bizarres, Emily dit, il y a ce corps barré. Alors, on est impatient de vous connaître. C'est quoi le nom? Bon, je me nomme Fini Cynthia. Mm. Je suis membre actif de SH Solidarity in Humanity. Ok. Merci. C'est vrai que le nom est parti un peu plus bas. On va parler un peu plus fort, peut-être. Ok, d'accord. Je me nomme Fini Cynthia. Cynthia. Fini Cynthia. Je suis membre actif de l'association Solidarity in Humanity. Voilà. Et pour couper votre nom, on dit comment? On dit Sing ou Tia Tia? Sintush. Oh! C'est fort, là! Sintouche! Voilà. Ah, ouais, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, en tout cas. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Ouais. Impatient de vous connaître aussi, c'est quoi le nom? Moi, c'est Mieso Kossi Didoula Henry. Et je suis le président exécutif de l'association Solidarity in Humanity. Ok. Monsieur Henry, vous avez de beaux cheveux. Comme les miens. Ça seulement, c'est pas moi qui ai encore réagi. C'est les autres qui ont réagi. C'est les autres qui ont réagi, en pourquoi fait. Pourquoi vous riez déjà? Moi, je peux rire. Non, pourquoi vous riez? Vous voyez pas les cheveux sur ma tête? Ou que voyez-vous, là, d'abord? Ce sont des cheveux, c'est quoi? C'est des cheveux? Ils ont des comédies. Tu vas venir. Il y a des poils. Il faut vivre les poils, les filles. Il y a des poils, là. Comparativement, mon père, là. Hein, comparativement là-bas, là, c'est les poils. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cher ami, bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va bien. Moi, c'est Hila, Haïté Michel Fawis. Je suis le chargé de communication et relations extérieures de l'association Solidarity in Humanity. Et vous, on vous voit un peu partout, dans tout ce qui est engagement togolais. On vous voit aussi un peu à l'extérieur du Togo. C'est quoi le secret? Il faut être volontaire pour pouvoir voyager ou c'est quoi? Il faut être juste engagé. Juste engagé. Oui. Je connais un jeune qui est engagé, il est derrière vous en chemise, il va venir s'asseoir. Depuis, il est jeune, mais bon, il est engagé, mais... Oui. Damien, ça s'il te plaît, merci beaucoup. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler donc de cette association, vous avez dit SH, pour ne pas dire Solidarity in Humanity, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de titi dedans, mais on va comprendre tout cela. D'abord, Solidarity Humanity, qui s'y lance, expliquez-nous d'abord, ça veut dire quoi? Association, le concept, tout ça. Ah, Cynthia. Sintouche. Sintouche. Est-ce que vous saviez qu'elle se nommait Sintouche? Non. C'est une découverte. Plateau Nectar. Allez-y. Ok, d'accord. Premièrement, Solidarity Humanity en français veut dire solidarité dans l'humanité. Ok. Donc, c'est un peu en français le nom. Solidarité dans l'humanité. Dans l'humanité. Voilà. Ok. Et pourquoi avoir choisi un tel nom? Pourquoi Solidarité dans l'humanité? En plus, c'est en anglais et tout ça. Et ok. Tout. Premièrement, le nom est en anglais parce que c'est pour, par rapport à l'international. Parce que de nos jours, la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Et pour faciliter la prononciation du nom, donc on a opté pour une langue. On a opté pour le nom en anglais. Ah ouais. Et aussi pour la compréhension facile de tout le monde. Ah, c'est par rapport au Commonwealth ou c'est par rapport à... Non, nous, on n'aime pas le français, tout ça. Parce que votre réponse m'a fait beaucoup tiquer. J'ai beaucoup, tellement de questions dans ma tête actuellement. Je ne peux pas ne pas les poser, mais... c'est, sauvez-moi, sinon je risque de les poser. Quelqu'un d'autre pour vous répondre, peut-être... pourquoi le nom en anglais? Encore une fois, après cette question. Ouais, c'est pour le Commonwealth ou c'est pour... parce qu'on n'aime pas trop le français, peut-être? Non, 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 c'est pas ça. Ou c'est pour que l'international? Oui, par exemple, un petit Chinois ou bien un petit Coréen, il faut qu'il comprenne aussi le nom. Solidarity in Humanity. Et puis, c'est plus facile. Okay. Par exemple, on peut dire solidarité dans l'humanité. Comment on dit le français comme ça? On dit solidarité dans l'humanité. Ouais. Et donc,
Français, c'est pas bien. C'est plus facile, quoi. C'est plus facile. Solidarity, humanity, vite fait. Non, vous avez réussi. Solidarité, humanity. Mais bon, on ne peut pas accepter ça. En tout cas, solidarity, humanity, très bon nom. On aime bien. On espère aussi, quelque part, c'est... Ça me rappelle, ça me renvoie au Commonwealth, hein, le Togo qui en fait partie aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas prendre des noms anglais? Ça fait toujours la même famille, la grande famille Commonwealth, ça fait l'anglais qu'on a appris depuis tout petit sur les bancs. Autant rendre ça utile aujourd'hui. Effectivement. Amakwacha. Pages, les gars. Ah, en tout cas, on reste déçus. Les amis, déjà, c'est depuis quand l'association est née, est créée et tout ça? L'association est créée depuis le 6 septembre 2015. OK. Par des jeunes engagés dans le social et dans l'humanitaire. 6 septembre 2015. Ouais. Depuis déjà quoi? 8 ans d'existence. Ouais. On est sur le terrain, ça fait pas mal de temps. C'est pas, vous n'êtes pas des jeunes dans le système? Non, on a commencé tôt. Ah, c'est ça. Ouais. Les jeunes qui ont commencé très tôt. On voit même d'ailleurs le logo de l'association à l'écran, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à toute l'équipe de réalisation. L'autre question peut-être pour vous, c'est quoi les actions, c'est quoi la vision de l'association, c'est quoi vous faites dans l'association concrètement? Bon, déjà, vous avez donné un mot, vision. Okay. Déjà, on est des visionnaires. Ah. Et l'association s'est penchée sur des axes précis. Et aujourd'hui... je peux citer que Mandela qui disait que l'éducation est une âme. Et l'association était partie tout d'abord sur l'éducation des enfants, des projets éducatifs. Il y a le soutien scolaire, il y a l'accompagnement des enfants à chaque rentrée scolaire. Et également, on organise des activités à l'endroit des enfants comme Noël pour les enfants avec la magie de Noël. Et également, il y a le parrainage des enfants qu'on fait. La construction des infrastructures scolaires et des latrines également. Et nous faisons des projets également avec les femmes. Parce qu'on ne pourrait pas parler de développement aujourd'hui sans parler de la femme. Et il y a des projets d'alphabétisation de la femme qu'on fait dans les milieux ruraux. Et au-delà de ça, je peux citer également des projets culturels, genre des projets par des danses folkloriques. Et nous faisons de l'intégration parce que c'est une association qui reçoit des bénévoles qui viennent de la France, de la Belgique. Okay. Et nous faisons l'intégration, nous faisons le partage de notre culture togolaise. C'est-à-dire on représente bien le pays, que ce soit du sud jusqu'au nord. Et on fait des projets sur toute l'étendue du territoire, ce qui fait qu'on fait découvrir, par exemple, du tchakbalo aux bénévoles et du sorabi, okay, qui est plus consommé au sud. Ouais. Et c'est fou que vous avez donné cet exemple. C'est quoi l'intérêt que vous avez particulièrement avec ces deux boissons-là? Ah ouais. Ah ouais. Parce que chez nous, vous savez, quand on dit Akwaba, on t'accueille avec de l'eau et après, pour bien manger à Kouma, qu'on fait découvrir aux bénévoles, il faut accompagner avec du sorabi ou du tchakbalo quand tu viens un peu plus du nord. Et quand tu es du sud, tu mets du sorabi, quoi. Boisson locale. Et tu le dis avec douceur. Ah ouais. Là, il dit du sorabi, quoi. Et au-delà de ça, nous faisons des visites touristiques. C'est-à-dire, nous organisons des circuits. Okay. Pour découvrir, par exemple, Togoville. Aller vers Anihor, découvrir l'histoire d'Anihor, comment ça se passe avec Ekpisoso, le Yekoyeke. Et au-delà de ça, on va jusqu'au nord également. Vous faites découvrir les sites aux volontaires, aux bénévoles qui viennent. Ouais, voilà. Hier, on parlait de volontariat ici au plateau. D'ailleurs, grâce à toi, tu nous as beaucoup aidé dans cette démarche-là. Qu'est-ce que ça vous dit déjà en tant que jeune, la question du volontariat? Est-ce que c'est une très bonne chose ou c'est une chose à laquelle vous n'adhérez pas forcément? Le volontariat, tout d'abord, je peux dire que l'engagement, on a trois niveaux. Il y a l'engagement politique. Il y a l'engagement économique et il y a l'engagement social. Social, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Okay. Et être volontaire, tout d'abord, c'est contribuer à un besoin de la communauté. C'est impacter. Et c'est faire des actions concrètes et durables dans le temps, en fait. Donc, d'abord, il faut être volontaire. Volontaire, c'est être passionné.
de ce que tu fais, passionné de l'engagement, passionné par ta communauté, être curieux. Donc, je pense que hier, c'était notre journée. Mmh. Et ça s'est bien passé au niveau de l'Agora. Et vous nous avez fait encore découvrir cette facette qu'on a, quand on est sur le terrain, on ne voit pas, mais grâce à Nectar, je pense qu'on a eu un bref aperçu. Oh, quel honneur. Merci à l'équipe. Oh, quel honneur. Après tout, on est Nectar. Et on assume. Alors, Wanda, qui en même temps, on sait que tu es très engagée aussi, pas que politiquement, parce qu'on va dire tout ce qu'on sait, mais pourquoi Émilie me regarde comme ça? Alors, quand tu vois tes frères et tes amis jeunes et tout ça s'engager, que ce soit volontariat, que ce soit bénévolat et tout ça, qu'est-ce que ça te dit déjà? En même temps, c'est une bonne chose parce que, vous voyez, un pays ne peut pas se construire sans engagement des jeunes du pays, bien de la nation. Mmh. Il faut que les jeunes s'engagent dans tous les domaines, tel que le monsieur l'a dit, le domaine politique, domaine social, domaine économique. Mmh. Et ce sont des trucs basiques pour que la jeunesse puisse sortir la créativité que la jeunesse a en elle. Donc, du coup, quand la jeunesse s'engage comme ça, puisque l'État ne peut pas tout faire, il faudrait au moins qu'il y ait des regroupements, peut-être des jeunes, des associations, et qui puissent aller sur le terrain et aussi amener leur savoir-faire et sur le terrain pour pouvoir impacter les sociétés riveraines. Ah ben super. Alors, mais en même temps, je me dis, on est jeune. On était avec l'artiste Vichain en temps qui, bon, parlant de ces défis, forcément, il y a la finance et tout ça, elle en a parlé. Mais vous, quels sont vos défis en tant que jeune? Parce que quand on est jeune, là, c'est la fleur de l'âge, ce n'est pas forcément des millions, des milliards. Quels sont les défis que vous avez dans votre engagement? Avant de parler de vos projets. On laisse Sintouche. Ah, Sintouche. Sintouche, pourquoi la balle a été renvoyée vers toi? On ne sait pas, dis-nous. Les femmes d'abord. Ah, les femmes d'abord. La galanterie. Oh, vous êtes galant en plus. Donc, vous pouvez reformuler la question, oui, s'il vous plaît. Je disais, quels sont les défis que vous avez, les défis de l'association aujourd'hui? Premièrement, on a les défis financiers. Ah. Voilà. On a les défis financiers, oui. Qui n'a pas de défis financiers? Parce que on ne peut rien faire sans finance. Ah, je ne veux pas. Donc. Parce que pour financer des projets, tout, on a besoin de l'argent et des matériels aussi. Okay. Donc, on a des défis financiers et aussi, on a aussi des défis au niveau de l'occupation des locaux et tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire pour des événements, des fois, comme on est des jeunes et tout, on nous voit comme si on est... On voit comme déjà, des jeunes. Oui, comme des jeunes. Et aussi... Pour occuper les places aussi, il y a des grands qui viennent occuper et tout. Donc, ce sont les deux défis principaux que l'on a. Ah ouais? Il y a Madame Sandra qui a une question pour vous. Par rapport aux occupations, bien par rapport aux locaux. Au cadre, oui. Oui, les locaux vous servent de rassembler parce que moi, j'ai un espace que je peux toutefois... Ok. Voilà. En parlant de partenaire, je pense que c'est une partenaire déjà privilégiée que vous venez de gagner comme ça. Madame Sandra, elle est comme ça, elle marche et elle donne des choses. Là, elle vient de donner un local. Elle est très sociale. Elle vient de donner quelque chose comme ça en direct. Donc, si vous voulez, après, vous allez voir avec Wanda. Et vous allez visiter l'endroit et si ça vous dit, Elias, vous pourrez faire... Je suis le manager, non Elias, on est ici. Non, je suis le manager. Il est devenu chargé de quoi déjà? En tout cas, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on pourra construire le pays. Oui. Si les jeunes qui s'engagent et que vous êtes là, vous pouvez aider, ne serait-ce que... En donnant votre garage, je dis du n'importe quoi, hein, en donnant votre salon pour le regroupement de ces jeunes-là, cela leur empêcherait aussi de dépenser beaucoup dans les coûts, on sait, exorbitants de certaines salles aujourd'hui. Donc, je trouve ça extraordinaire, le fait que vous vous proposiez comme ça pour aider ces jeunes-là en termes de rassemblement. Et à part ça, ceux qui nous suivent à la maison, qui voudraient bien peut-être appuyer, pourquoi pas. On parle d'association, Solidarity in Humanity. On parle déjà de finances et on voudrait bien savoir quels sont les projets que vous avez déjà réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Dites-nous. Alors, le président pourrait parler de ça. Le président? Oui, il est mieux placé. Président. Ok, merci. J'aimerais premièrement faire un petit rajout. Oui. Nous faisons des sensibilisations. Donc, par exemple, nous avons des partenaires. On a des étudiantes en orthophonie qui viennent chaque année pour des sensibilisations sur les troubles auditifs. Okay.
Donc, c'est pourquoi elle a parlé de ça et tout. Cette année, on a eu à faire l'activité à l'espace volontaire de France Volontaire. Donc, c'est eux qui nous ont accueillis. Et nous faisons aussi également des formations, des sensibilisations. Par exemple, on est en décembre, sensibilisation sur les IST et le VIH. Okay. Donc, on a besoin des espaces pour faire ces activités-là. Okay. Côté finance, on peut dire que c'est un peu compliqué. On est engagé, mais il faut aussi l'appui financier pour pouvoir développer les projets. Donc, pour le moment, on n'a pas de partenaire qui finance nos projets. Mmh. Nos projets sont financés par nous-mêmes, par nos cotisations, par l'aide des bénévoles, l'organisation des cagnottes et tout. Mmh. Donc, nous lançons un appel à tout le peuple togolais. Mmh. Et d'ailleurs, hein, parce qu'on est suivi même en Haïti. Oui, oui. Ah. Donc, Azerbaïdjan. À nous, Ouzbékistan. J'ai fait la main fatiguée. Ça va pas le sauver. Il s'est mis dans le problème lui-même. Donc, Donc, nous sommes là pour appuyer l'action du gouvernement. Mm. Les associations, c'est comme ça. Mm, bien sûr. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Ouais. Comme on l'a dit. Par exemple, dans les villages, il y a certains manques. C'est nous qui faisons les actions sur le terrain. Mm. Il y a des zones reculées, même il y a certains qui ne connaissent pas, mais il y a des gens là-bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité, les enfants n'ont pas d'habits et tout. Donc, il faut cet engagement-là pour aider nos petits qui viennent. Mm. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais ajouter. Okay. Maintenant, concernant les projets... Ah. Enfin, je ne veux pas tout citer. Vous êtes arrivé, hein? Qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, je ne peux pas tout citer. Depuis 2015, on a fait pas mal de projets. Mm. Les activités phares, jusqu'à que deux, trois. Hein. OK. Bon. Premièrement, je peux citer la rénovation d'une salle de classe à Titogon, okay. À Blamakondi, avec les latrines et tout. Super. Donc, on a eu à peindre les murs, refaire la chasse et tout, et gazer quoi. Ah oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et aussi, l'activité phare que nous faisons en décembre, c'est Noël pour les enfants. Okay. Et nous savons bien que le 25 décembre, c'est la fête des enfants. Pas que. Noël. Surtout, pas que. Monsieur Simon, par exemple, il aime Noël. Il aime Noël. Donc, nous sommes en décembre. Et... Ah, je ne savais pas. Ouais, allez-y, on a, allez-y. Déjà, allez-y. Ouais, ouais. Donc, on est là pour donner la joie aux enfants. Mm. Donc, chaque 25 décembre, nous organisons Noël solidaire. Donc, nous permettons aux enfants de vivre cette journée-là avec le Père Noël et tout. L'objectif, c'est quoi, concrètement, de cette activité, surtout celle-là? Noël pour les enfants? Oui. Oui, oui. C'est pour, par exemple, ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance de fêter Noël. Mm. Par exemple, il y a d'autres qui sont à la maison. Bon, il y a d'autres qui préparent chez eux, mais eux, ils sont là, tranquilles. Donc, on essaie de rassembler ces enfants-là pour essayer de les faire profiter cette journée. Par exemple, on a des jeux, on fait la nourriture et on partage tout sur cette journée-là. À qui joue Papa Noël? C'est Kefren, non? Non. On a un spécialiste. Un Papa Noël? Oui, c'est M. Covidien. Non, donnez pas le nom. Ouais. Il ne joue pas Noël, mais ça. Comment? Il est devenu Maman Noël. Il y a Wanda qui se proposait. Non. Mais il n'a pas le ventre. Ah ouais. Donc c'est la première condition. Le Père Noël, tu dois être balèze. C'est un critère de sélection. Les skinny ne font pas Papa Noël. Comme quoi, les ventres ont leur place. Voilà. Les bedonnons de même. On a des places.
Non, oh, non, non. J'ai dit le on là par, je sais pas. Elle dit, tu n'étais pas dedans. Le faire. Non, pourquoi tu dis ça? Oh. Non, mais on l'a zine de fier, hein, merde. Mais ce non. qui est sûr, Wanda ne ferait pas, mon papa. Non, 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 c'est vrai. Pourquoi? Ça, c'est pas Noël, non. Pas Noël skinny. Mais, Elias. Oui, dis-moi. Il y a une exclusivité. Ah bon? Que je vais dire en tant que chargé de communication. Super. Hein, et aux téléspectateurs également qui nous regardent. Mm. Et ça se passe sur Nectar, d'ailleurs. Mm. Ah oui? Cette année, le 25 décembre, nous tous, on sera le Père Noël. Mm-hmm. Pourquoi? Dites-nous. Parce que la magie de Noël, c'est déjà, ça commence déjà début décembre. Hein. Mm. Parce que vous voyez, on n'est pas 25, mais Elias, il est en blanc-rouge. Oh, et moi, en pantalon noir. Imaginez la couleur. Il a frappé fort, hein. Il a mis le bras sensible là. Ouais. Et au-delà de ça, je peux dire que nous serons tous Père Noël. Mm. Et nous allons donner les cadeaux aux enfants comme on le fait. C'est des animations musicales et des distributions de cadeaux. On laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Mm. Et l'idée, c'est parti tout d'abord d'un constat où quand nous, on était petits, quand on dit Noël, on va tous à la plage. Et certains n'en reviennent pas à la maison. Et c'est des pleurs des parents. Mais on s'est dit non. Si on rassemblait tout le monde, parents, enfants, que tu sois démuni, que tu sois bien à la maison, viens fêter avec nous. Et tout cela a un coût. Malgré qu'il y a la gaieté, il y a un coût à tout cela. Pour donner la joie, c'est un coût. Ouais, c'est par rapport aux dépenses que vous faites. Oui, oui. Et aujourd'hui, on lance l'appel à tout le monde qui voudrait bien nous aider à vraiment réaliser cet exploit-là encore. Mmh. Nous sommes à la 6e édition. Moi, je commence à pousser des cheveux blancs déjà. Ça veut dire qu'on a grandi. Attendez, il n'y a pas de 4 heures pour moi. Vous avez chance. J'allais vérifier. Non, je vais voir. J'allais vérifier ses cheveux. Emily vérifie pour moi. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a, oh, ah, oui. Ah ouais, il a la caméra. C'est un vieux jeune. Ouais. Et la barbe blanche commence à arriver, mais juste que je ne suis pas très gros. Mm. Mais cette année, comme on dit, tout le monde sera Père Noël. Mm. Je serai en habit de Père Noël pour offrir cette joie aux enfants. Oh, super. Ce que je trouve extraordinaire, si vous le permettez, c'est que votre association n'attend pas Noël pour faire des actions. Parce qu'on en connaît qui ont peut-être le récépissé, qui le gardent dans leur tiroir. Et on ne sait pas, quand Noël arrive, ils sortent en fanfaron et tout ce qui va avec. Donc vous, on sent qu'il y a quand même quelque chose de concret que vous faites sur le terrain durant toute l'année. Et logiquement, et tout logiquement, donc, décembre, vous faites aussi une action pour les enfants. Je trouve ça extraordinaire. 6e édition, je pense que c'est une activité à soutenir, à pousser aussi loin, parce que ce n'est pas une activité pour leur propre plaisir, mais pour donner de la joie à ces enfants qui en ont besoin. Je trouve ça extraordinaire. Je pense que les gens ne se feront pas prier pour vous aider. Ce qui est bizarre, c'est qu'on parle beaucoup d'aide aujourd'hui dans l'émission. Donc, peut-être c'est une émission consacrée pour l'appel de fonds ou d'aide. Aide humanitaire. Ouais, une émission humanitaire aujourd'hui, c'est carrément ça. En tout cas, merci beaucoup, chers amis. J'aime bien l'action que vous posez, j'aime bien tout ce que vous faites, votre engagement. Et on espère que voilà, vous serez poussés comme cela se doit. On va peut-être terminer avec un numéro ou un contact de l'association. Oui, c'est le 00228, comme on nous suit de l'extérieur aussi. Ah ouais. L'indicatif, c'est important, c'est le 228-99-41-43-28. Il y a le 91-42-71-00. Mm. Je répète. OK. Indicatif 00-228. Très important. 99-41-43-28. 91-42-71-00. Et nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Mmh. 24 heures sur 24. Oui. Et à nos réseaux sociaux également, vous pouvez aller checker ce qu'on fait. C'est Solidarity SH, très simplement. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. On utilise tous les... Ouais, LinkedIn. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux? Oui, tout. C'est très important d'être partout, paraît-il. Et de bien gérer. C'est ça, hein. OK. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci à vous. On a aimé vous avoir avec nous. Et bon projet. On va le soutenir comme on peut.
déjà que Sandra s'est prononcée. Émilie me disait déjà dans les oreilles, Elias, Ndanomol Sakorika, je pense qu'elle va le faire. Oui. Émilie, tu as un halal en direct. Voilà, on va donc aller avec le jingle qui a donc maintenant bien commencé. Et je dis, on va retrouver d'autres invités pour la suite de l'émission. C'est parti. Massage, manucure, pédicure, soins du corps, soins du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Anéron. Contact plus 208 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Nous continuons notre balade ce matin au travers les invités et toutes les personnalités que nous recevons. Et là, nous avons un autre invité qui fête sa deuxième titularisation dans l'émission Nectar. Je parle en termes de football ou en termes sportifs. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour cher Elias, je vais très bien et toi-même? Ça va bien. La dernière fois, vous nous avez laissé sur la soif en termes d'écriture et en termes de constatation par rapport à tout ce qui se passe dans le monde littéraire. Et cette fois-ci, on s'est dit, pourquoi ne pas revenir dessus? Et vous tirez encore plus de mots. Ouais, c'est possible, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a encore d'autres choses à dire sur la question. Voilà, je vais donc vous laisser vous présenter à ceux qui ont raté l'émission dernière. Alors, bonjour cher public, bonjour cher Pepto Golem. Je suis Aï Renaud de Savy, écrivain, journaliste économique et blogueur. Actuellement, auteur de 6 ouvrages, également membre de différentes associations d'écriture au Togo, notamment l'association des écrivains du Togo. L'association PEN Togo également, à travers laquelle nous faisons différentes œuvres pour promouvoir l'écriture au Togo. Donc, c'est toujours un plaisir de partager ce genre de passion avec le grand public et de discuter de ce genre de questions au Togo. Alors, il faut rappeler que PEN Togo a été partenaire de l'édition 3. Pour l'amour de la lecture. Hein. Effectivement, tout à fait. Tu vois bien de le rappeler. Ouais, ils nous ont offert des livres pour les enfants, qui d'ailleurs ont beaucoup aimé ces livres. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. On se fait donc un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui pour parler de tout ce qu'il y a comme défi, comme enjeu, la littérature togolaise. Mais bien avant, vous permettez, il y a une rubrique que nous faisons ici dans l'émission et ce serait bien que vous soyez là pour témoigner, voir ce qui se fait par la belle Émilie ici depuis un moment. Elle parle de littérature et elle présente à chaque fois un roman. Aujourd'hui, avec Émilie, on y va. Exactement. Alors, c'est une joie, c'est un honneur de voir un spécialiste comme ça de la littérature, surtout togolaise et du monde entier, devant moi et de pouvoir faire ma rubrique aujourd'hui. Donc, franchement, un mercredi béni pour moi. Un plaisir pour moi. Alors, comme je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, nous allons parler aujourd'hui du roman Le fils d'Agatha Mudio, et c'est de Francis Bébé. Et quand nous parlons de Francis Bébé, pensons à ce journaliste-là qui a visité de nombreuses régions d'Afrique et d'Europe, d'États-Unis, d'Amérique aussi, et qui a sorti ce roman-là en 1967. Et ce roman a été consacré Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1968. Alors, ce roman-ci, c'est un roman qui compte l'histoire d'un jeune homme qui a épousé une femme qui a été proposée par son père avant qu'il ne meure.
Voilà. Donc, le jeune homme a épousé la jeune dame, mais il était amoureux d'une autre jeune dame. Et sa mère lui a bien prévenu que la dame, là, la deuxième, elle allait le faire voir de toutes les couleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout au long du roman. Vers la fin du roman, on voit le jeune homme qui est ébahi devant l'enfant que la deuxième dame lui a donné. Et il est un peu perplexe entre le désir de faire vivre à l'enfant ce que la mère lui a fait subir, ou soit de donner juste l'amour d'un père à cet enfant-là. Mais quand on voit un peu l'écriture, il a quand même pris la décision de considérer que cet enfant n'a rien à voir avec tout ce que la mère lui aura fait subir jusqu'à la fin de ses jours. Alors c'est un roman quand même qui nous rappelle que des fois, dans nos choix, les parents ont leur mot à dire. Et comme on le dit, quand un ancien s'assoit pour voir quelque chose, le jeune, même debout, ne peut pas voir cela. Donc, plongez-vous dans cette histoire très courte d'ailleurs, voilà, un roman facile à lire. Et ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé le PDF. Et la façon dont le PDF se présente, franchement, ça donne vraiment envie de lire. Alors faites-vous ce plaisir-là. Francis Bébé, je rappelle que nous présentons aujourd'hui son premier roman. Nous avons la couverture qui est à l'écran, Le fils d'Agata Mudjo. Et c'est un roman à lire, à faire découvrir. Du coup, vous connaissiez le numéro pour le PDF, c'est le 96 pour avoir ce roman. En tout cas, je vais revenir sur le numéro juste après. Mais comme le spécialiste est là, on va continuer avec lui. Merci, ce sera tout pour l'œuvre du jour aujourd'hui. Ah oui, nous avons pris plaisir quand même à découvrir ce roman. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et en même temps, ce qui me fait un peu penser, c'est quand Émilie te dit que le roman est facile à lire, que c'est court. Oula. C'est vrai, là. Je me dis, est-ce que ce n'est pas ta version de... Non, c'est vraiment court, c'est ça. C'est vraiment un petit roman facile à lire. Un petit roman. Hein. Un petit roman facile à lire. Ouais. Alors, Le fils d'Agata Mudjo, un roman à lire, forcément. Mm-hmm. Et à apprendre. Mm. Enfin, pas apprendre. À lire. Duquel il faut apprendre. Ouais. Ouais. Je suis arrivé. Alors, un petit roman. Ouais. C'est un petit roman. Un petit roman. Un tout petit roman. Hein. Ouais. Mon père le confirme de l'autre côté. Non, c'est plus moi qui le dis. Il dit, bon, Elias Ochanlo. Romain, depuis, il est là. Donc, ça va. On va tous sauter dessus et rapidement le dévorer, je dirais ainsi. Une histoire que j'aime bien, peut-être dont on parlera demain. Mm. On en fera un petit sujet, pourquoi pas, rassurez-vous. Alors, avec vous, M. Dossavi, je vous pose une première question. Ça fait quoi de savoir qu'il y a une telle rubrique dans l'émission? Ben, ça va toujours... plaisir. Je pense que votre émission fait partie de celle qui se donne souvent un propos d'honneur à mettre en avant ce genre de choses. Donc, c'est très bien. En plus, le fils d'Agata Mudjo, effectivement, c'est les romans de la période, on dirait, des indépendances. Hein. Donc, c'est des romans un peu dont on connaît le nom, qui traînent comme ça dans les esprits, qu'on n'a pas forcément lu, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc, c'est toujours bien de les redécouvrir comme ça, et peut-être on peut se créer le temps en semaine ou en après-midi de le lire, pour de l'acheter, ou pourquoi pas. Je préfère quand même l'acheter. C'est vrai que on a des milieux quand même compliqués entre le fait de pouvoir se procurer le livre, de le lire, et est-ce qu'on préfère le PDF ou pas. Donc, c'est une question. Mais oui, c'est déjà très bien de les mettre en avant. J'espère que vous mettez en avant aussi plus d'auteurs togolais. Ah ouais. Émilie, c'est son gros travail. Hein, on le fait le mercredi passé, on a eu à parler d'une œuvre togolaise. Martine Foli-Kakabi était à l'honneur avec son roman Bébé rejeté à femme d'impact. Donc voilà, donc nous faisons un peu le cocktail. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le lieu même de lancer l'appel à tous les auteurs qui nous suivent togolais. Prenez ici, attache avec Émilie ou le numéro de Nectar qui est là, 93 57 06 16. Et faites-nous un plaisir. Nous, on est là pour promouvoir ce que vous faites. Et on espère qu'on le fait bien. Alors, première question, encore une fois, pour vous faire la deuxième question, forcément. Quand on parle d'auteur, on parle d'écrivain, on se dit que ce sont des gens qui sont inaccessibles, qui vivent dans une bulle quelque part. Est-ce que vous avez des distractions? Est-ce que vous jouez au football? Est-ce que vous vivez en Amérique? Oui, bon, c'est drôle parce que les écrivains sont des gens, tout simplement. C'est des gens qui... Ils donnent la bière. Ils aiment même la bière. Non, il faut que je sache aujourd'hui, quoi. Ils aiment même la bière. Ah oui! C'est des gens. Donc, c'est vrai que c'est un cercle un peu particulier parce que... il est vrai que beaucoup d'auteurs vivent plutôt dans leur tête. C'est vrai. Ils passent
beaucoup de temps là-haut, mais souvent le but, c'est des fois d'abord entendre le bruit du monde, l'absorber et le traduire après sous forme de mots. Mmh. C'est vrai que c'est une activité assez solitaire. On passe beaucoup de temps seul avec justement les idées qu'on a eues pour les mûrir. On passe souvent plus de temps avec ces personnages qu'avec les humains normaux, c'est vrai aussi. Mmh. Parce que de toute façon, le travail même de l'écriture demande du silence, de la méditation et beaucoup de concentration sur soi, c'est vrai. Mais en dehors de ça, non, c'est des gens tout à fait normaux. Vous savez, ils sont enseignants, beaucoup d'enseignants d'ailleurs, enseignants, universitaires, médecins, ophtalmologues, blogueurs, travaillent dans les mines. C'est toutes sortes de centres d'intérêt. C'est juste des gens, à un moment donné, qui ont décidé d'écrire en fait, leurs choses. Et parfois, bon, ce que tu écris, le public le reconnaît comme étant bien, donc bon, il devient écrivain. C'est vrai qu'il y a toujours dans l'espace francophone, il y a mythe quand même un peu autour de l'écrivain, qui n'est pas forcément dans d'autres sphères que culturelles, notamment allemandes, mais voilà, il y a tout cette aura autour de la notion d'écrivain. Et après, même les débats entre qui est écrivain, qui ne l'est pas, est-ce que le fait d'avoir publié un livre fait de toi soit un écrivain, tout ça, c'est un débat permanent et intense. Mais bon, c'est des gens plus ou moins comme les autres, quoi, juste avec des intérêts un peu particulier. Je ne pense pas qu'on pose la question, par exemple, à des artistes ou à des chanteurs, s'ils sont des gens normaux. C'est toujours la catégorie de l'écrivain qui est un peu... Alors, Elias, si je peux ajouter, parlons d'écrivains, surtout togolais, qui s'amusent beaucoup. Je veux donner l'exemple de Kanye Alem. Ah, oui? Franchement, le monsieur, il s'éclate. Moi, j'ai eu le privilège de suivre ses cours à l'université. Mais déjà, il enlève sa veste et puis il commence à vous dire des choses et puis vous marrez très bien. Donc, franchement, il s'amuse, mais comme c'est beaucoup plus un travail d'esprit qu'ils font, ils sont obligés de se couper un peu du monde pour sortir de belles choses. Alors, vous êtes à votre sixième roman, comme vous l'avez dit, donc pas à vos débuts. Vous connaissez donc forcément les réalités du terrain, je dirais. Quelles sont les grosses difficultés, les gros défis que vous avez en tant qu'écrivain togolais, surtout? C'est un univers particulier. J'en parlais d'ailleurs la dernière fois. Oui. Il y a bien sûr la question des ressources financières qui revient. Hein, c'est le pays, comme on dit. Après, plus sérieusement, il y a aujourd'hui la question, d'une part, des instances de légitimation, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit en fait le fait d'être auteur, qu'est-ce qui fait la question de la qualité. On a un rapport particulier aux maisons d'édition qui, ici, doivent beaucoup fonctionner sur le compte d'auteur. C'est-à-dire que c'est vous payez et on vous fait publier. Tout ça est lié au fait que les intrants, en général, sont plutôt chers. C'est-à-dire on importe papier, souvent, et toute la composante, et donc c'est cher. Et donc, ça demande un coût, souvent, à l'auteur qui se fait publié, parfois également à l'éditeur. Donc il y a la question du coût, il y a la question de si c'est moi qui paye, ben évidemment je suis plus ou plus difficile au niveau des critères quand c'est par exemple une maison d'édition qui gère elle-même la confection de l'ouvrage. Si la maison d'édition dit ben monsieur votre livre n'est pas bon, il vous le dit pas bon. Mais quand vous payez vous-même, bon, vous avez plus ou moins le moyen de lui dire, ben, faites-le quand même. Donc, il y a souvent un jeu d'équilibre que les maisons d'édition doivent faire entre ce qui est bon ou pas bon, tout ça. C'est très, très compliqué. Mais c'est une mathématique subtile qu'ils font justement pour pouvoir tenir. Il y a ça. Il y a la question de la diffusion qui est un gros défi. Ouais. Parce que aujourd'hui, on est assailli de partout par justement les médias sociaux. Toutes ces applications qui bouffent énormément de temps et d'attention. Donc, peu de public, on va dire, en fin de course, qui lisent réellement, ils lisent avidement, ils achètent avidement. Et donc, il y a une question de qualité de vente qui se pose et qui, en fait, attire tout le reste. Parce que s'il y a un public et si ça se consomme, c'est normal, ça va tout seul. Plus il y a plus il y a de public, plus, par exemple, un éditeur est plus ou moins libre d'y aller à compte d'éditeur et donc de faire en sorte que ta machine tourne plus ou moins bien comme on le voit ailleurs. Il y a ces questions-là qui posent un défi vraiment en termes de la structuration. Après, il y a aussi les appuis effectivement que des instances privées ou publiques. Il y a aussi sur le privé parce que c'est une question de culture. Okay. On n'a pas encore vraiment la culture de l'écrit ici. Pour le meilleur, pour le pire, on ne l'a pas encore. Mmh. Et ça rejaillit sur tout le reste. Parce que quand un riche monsieur ne sait pas, par exemple, qu'il peut aussi appuyer les arrêts, les lettres, mm-hmm. au lieu d'enchaîner les maisons à
acteur à travers. Même si on n'est pas contre. Hein. Non, non, c'est pas mauvais en soi, ouais, mais ouais. Vous savez, il est aussi intéressé par les maisons. La création, la créativité a beaucoup été appuyée par les, on va dire, les grandes fortunes et les rois. Et en tout cas, c'est comme ça que ça fait, que ce soit en Asie ou en Europe. Donc, il est essentiel quand même de pouvoir, quand on a la culture de la chose, quand on sait que c'est important, quand on sait que le investir ainsi dans la postérité est une valeur sûre. Ça crée un cercle vertueux dans lequel la création est soutenue, la créativité est soutenue, la lecture, comme on aime le dire, comme par exemple avec votre émission, par exemple. Normalement, vous auriez dû avoir 10, 20, voire 20, 30 fois plus de sponsors que vous en avez eu, vous voyez, pour ce genre d'initiative. Donc, c'est vraiment le pour la capacité à mettre le livre, la lecture, l'écriture, la littérature au cœur de nos préoccupations et à les valoriser. Vous avez touché un bon point là. Oui, hein. Oui. Ouais. Et c'est essentiel parce que la question c'est qu'est-ce que vous apportez au monde, qu'est-ce qu'on apporte au monde. Et sur ces champs qui sont un peu élitistes, mais où les gens se trouvent aussi, est-ce que nos pays existent sur ces champs-là? Or, ce sont des catégories qui demandent beaucoup de ressources intellectuelles. Et de, vous savez, écrit, c'est très difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Ah bon? Oui, c'est, ça demande vraiment il y a un travail de solitude. Parfois, on met 3, 4, 5, 10 ans parfois pour écrire un seul bon roman. Ouais. Mais c'est peut-être le seul qui va rester pour la postérité. Donc, c'est un pari très... C'est un gros pari qu'on fait. 99% du temps, on se casse la gueule. Mais quand c'est 1% la réussite, c'est ça qui donne les Shakespeare, ouais, les J.K. Rowling aujourd'hui et tout ça. Donc c'est essentiel pour une nation d'avoir sa production intellectuelle. Et pour ça, il est important que tant le public que le privé investissent aussi là-dedans. Après, quand on dit ben, on n'a rien, donc on ne va pas investir, on crée un cercle plutôt vicieux vers le bas. Donc c'est vraiment un travail de transformation globale à la fois des individus et des institutions qui pourraient tirer tout l'ensemble vers le haut. Avant de laisser Wanda poser la question, parce que je vois qu'il approche le micro de la bouche, je voudrais qu'on parle brièvement du côté numérique de la chose, parce qu'avec l'arrivée du numérique et tout, est-ce que vous arrivez à rentabiliser concrètement? C'est une grande question. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'interrogeais tout à l'heure sur la question du PDF. Alors, oui et non. Vous voyez, en même temps que le papier a toujours sa valeur, parce que les gens aiment bien quand même avoir le livre en papier. En réalité, si on était capable d'investir les sphères du numérique, on pourrait également rentabiliser dessus. On a quand même fait l'expérience. Quelques acteurs ont tenté l'expérimentation de, notamment, je connais Cube Books, qui est un Togolais qui a lancé une sorte de plateforme à Amazon, mais à l'Amazon ancienne, c'est-à-dire division des livres. Ça n'a pas hyper bien marché pour le moment, même si ça existe toujours. Donc c'est en expérimentation, on apprend. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprivoiser aussi cette sphère-là du numérique, de voir dans quelle mesure on peut faire lire et diffuser les livres. Je vois quand même des auteurs qui proposent des formats hein, où tu payes 1000 francs, t'envoies le PDF, ce genre de choses. Donc, ils essaient quand même. C'est un espace à conquérir. Ce n'est pas tant le livre en numérique qui pose problème, mais c'est plutôt la compétition de places comme TikTok aujourd'hui ou Facebook qui prennent vraiment du temps mental. Il est vrai qu'on est plus largement à une époque où la chose écrite est de plus en plus acculée. Et le paradoxe, c'est que plus c'est chassé, on va dire, par l'audiovisuel, plus, en fait, il n'y a que les élites qui lisent. Okay. Et qui ça pénalise en fin de compte, c'est les pauvres et les classes moyennes. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est dangereux parce qu'on risque d'aller vers un monde où les gens moyens sont extrêmement stupides et incultes, et où très, très peu d'élites sont douée, instruite. Et non seulement instruite, mais la capacité de lire, de penser. Parce que lire aussi demande la capacité à se poser, à se concentrer sur un texte pendant plusieurs heures. Et ce sont des capacités qui font justement les leaders et les dirigeants. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir des gens qui, par exemple, ont jusqu'au niveau master, ne savent pas faire un seul paragraphe correct. Ouais. Et donc, vous avez des gens qui sont diplômés, mais qui, en fait, dont le niveau intellectuel n'est pas très différent d'un élève du niveau CM1 d'il y a 50 ans.
Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui pénalisent en réalité les individus. C'est encore une incitation à lire et apprendre à se concentrer sur ce genre de choses. Alors, il y a des personnes qui sont très lectrices, enfin, qui aiment beaucoup lire. Mon papa Claude, par exemple, il est très lecteur, il aime beaucoup la lecture. Après, je vous présente mon papa. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Alors, la question. Alors, si je prends le cas de la classe inférieure, si je peux le nommer ainsi, si je peux le nommer ainsi, c'est un péjoratif, mais quand même, si je peux le nommer ainsi, on dit chasser le naturel, venir en galop. Ouais. Mais nous savons que dans la culture africaine, nous avons cette réalité de la tradition orale, puisque aujourd'hui, nous parlons livre et tout, mais nous savons que depuis les temps anciens, c'est la tradition orale qui a prédominé. Donc, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que nous pourrons réadapter la tradition orale au monde littéraire ou bien au livre pour que nous puissions permettre à cette classe aussi de pouvoir en profiter. Personnellement, je vais vous choquer, mais je n'aime pas ce fantasme qu'on a sur la tradition orale. C'est extrêmement énervant parce que fondamentalement, c'est l'absence d'écriture généralisée. Il y a eu des écritures en Afrique, il y en a eu plusieurs. Mm-hmm. Mais pour des raisons, on va dire, géographiques, humaines, historiques, on n'a pas pu les imposer, les généraliser. C'est un des plus grands torts que l'Afrique ait connu en tant que civilisation. Mmh. Parce que le fait de ne pas être capable de coucher sur papier ses connaissances vous empêche en fait de les étendre. Oui, parce que l'esprit humain ne peut stocker qu'un nombre limité de choses. Mmh. Donc, dans un contexte d'oralité, on répète souvent. Parce qu'on ne peut pas construire dessus et étendre. Parce que la mémoire est limitée. Mmh. Il n'y a qu'une poignée d'individus qui sont capables de mémoriser peut-être 10 fois, 20 fois plus que les autres. Mais la moyenne des individus n'a pas cette capacité-là. Même le premier tiers des gens les plus intelligents n'est pas capable de mémoriser plus que, je sais pas, 500 livres qui existent. Et donc, je trouve qu'il faut faire un shift, il faut une bascule dans notre rapport à cette oralité-là pour passer très rapidement dans une civilisation, une culture où l'écrit est au cœur de ces choses-là. Sinon, on ne pourra pas amorcer d'avancées civilisationnelles, de bons civilisationnels réels. Oui, parce qu'il n'est pas possible pour l'individu. On peut peut-être mémoriser le Coran, mais est-ce que tu peux mémoriser 10 Corans, 20 Corans, 200 Corans? Non, tu ne peux pas. Mm-hmm. Et moi, je veux vraiment qu'on divorce avec cet amour qu'on a pour l'oralité africaine, qu'on reconnaisse ce que ça a été comme un accident de l'histoire et une tare et un tort que nous avons subi, avec lequel nous sommes adaptés. On a fait comme on pouvait avec les conditions matérielles d'existence qu'on avait. Mais il faut enchaîner rapidement avec des formes où on a un rapport plus intime avec l'écriture, où on écrit tout, on lit tout. Et on peut construire maintenant des corps de science qui nous permettent d'aller, de nous projeter beaucoup plus. Ce que nous devons faire, d'ailleurs, c'est ce que faisaient des intellectuels comme Cheikh Anta Diop il y a 60 ans. Mm-hmm. Il faut construire des corps de science, à y partir, des corps surtout même au niveau de l'humanité. Il faut partir de l'oral vers l'écrit. Il faut tout fixer et ensuite se projeter. Mm. Mais une fois que j'ai dit ça, je reconnais également qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques font que, paradoxalement, l'oralité revient à la charge, avec notamment les réseaux TikTok, où on se filme. Mais même en se filmant, si tu veux une réflexion sérieuse et profonde, tu es obligé d'écrire ce que tu vas dire. Bien sûr. Et de toute façon, même si tu fais un texte, tu fais une vidéo de 10, 15 minutes pour expliquer quelque chose, tu regardes que si tu écris un livre de 400 pages, il aura beaucoup plus de profondeur, de puissance, de transformation et d'information que les 15 minutes ou une heure de vidéo que tu feras. Donc, c'est l'un et l'autre. Donc, je mets ce petit bémol là, mais tout en gardant l'esprit que l'oralité n'est pas du tout quelque chose dont on doit se gargariser. Et en tout cas, sur lequel on doit rester figé pour les 1000 prochaines années. Quoi. Il faut accepter nos cultures, reconnaître leurs valeurs, mais il faut aussi intégrer le fait. Justement, parce qu'on n'a pas de complexe, moi, j'ai pas de complexe vis-à-vis de ma culture, reconnaître qu'il y a des outils plus puissants qui nous permettent d'accumuler encore plus de connaissances, que ce soit dans notre histoire, dans notre culture, dans notre rapport à nous, qui nous permettent de nous projeter de façon efficace dans l'avenir. Alors, nous sommes en train d'aller tout doucement. Je vois un de vos romans ici que vous avez. Je voudrais rapidement qu'on en parle parce que oui, effectivement. Ça fait la deuxième fois que vous êtes là. On va vous découvrir un tout petit peu. Alors, Iota, c'est la dernière préparation qu'on a eue. C'est un ouvrage écrit à six mains, c'est-à-dire on est trois dessus, comme vous pouvez le voir. Okay. Ayurelo de sa vie, Obed le gosse, et puis le docteur Eliabé. Donc, c'est un livre un peu particulier pour nous parce que c'est des micro-fictions, de très très courts textes, justement. Les gens n'aiment plus lire aujourd'hui, donc c'est des très courts textes de 200 mots maximum
par page, où on raconte différentes histoires, on présente des situations. L'ouvrage, on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire aux gens. Nous, on a un peu hérité de la culture, on va dire, Twitter, quoi, où on apprend à être court et tout ça. Donc, on s'est dit, on s'est amusé à faire. Le genre existe, il émerge un peu. Donc, on l'a consolidé ici avec cette façon d'écrire. Donc, il y a à peu près 120 textes hein, qui racontent un peu ce genre de choses. Donc, c'est très plaisant à lire. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est comme à Blot dans Bablot. Exactement. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le lire. Je pense que le public en prendrait également beaucoup de plaisir à le découvrir, à méditer un peu les aspects de Et puis il y a l'autre roman aussi Également, que j'ai également publié cette année, donc Pour les beaux yeux du monde. C'est un recueil de poèmes, ce qui est un peu, moi, mon schéma, c'est que je fais plutôt de la poésie, également de l'essai étudiant de format, mais j'ai surtout publié de la poésie, donc on me connaît plus pour ça. Donc c'est la dernière parution publiée aux éditions à Go, et où je reviens un peu sur je parle plutôt de Lomé, on va dire, de la ville de Lomé dans son histoire, dans son essence, dans le vécu, un peu, on va dire, le pleurer-rire des Togolais, des Loloméens, également avec un peu un éloge à la vie et au monde, à la difficulté de vivre, mais quand même le fait, on vit malgré tout, parce que la vie en vaut la peine, comme je dis, on vit pour les beaux yeux du monde, quand il est venu le titre du recueil, donc voilà, où on peut me contacter également à l'édition Ago pour s'en procurer, également IOTA. On est très disponible pour les faire parvenir à en discuter, découvrir justement ce que de jeunes Togolais font en matière d'écriture aujourd'hui. Édition Ago et Flying Wings, voilà. Flying Wings, ici. On va peut-être prendre un contact aussi. Oui, donc vous contacter, nous sommes disponibles au plus 228 91 12 63 16. 91 12 63 16. Donc, on pourra discuter de livres pour les acheter. Lui, le premier, il a 5 000 francs. L'autre, il a 3 500 chez nous et 4 000 en librairie. Donc, c'est pas trop cher. Voilà, donc, c'est abordable. Oui, il faut quand même. C'est aussi une des questions aujourd'hui. Il y a une barrière psychologique chez les gens, c'est 5 000. En général, pour les étudiants, c'est 2 000. Mais on ne peut pas toujours le faire à 2 000 pour voir parce que ça coûte c'est du papier, tout ça. Et bon, voilà, on essaie quand même d'avoir un dialogue ici avec le public parce que nous ne sommes rien sans notre public. Bien sûr. Et j'espère également qu'il leur tient à cœur de nous lire et de nous découvrir. On va rappeler le numéro pour une dernière fois, 91 12 63 16. 91 12 63 16. Appelez-le, contactez-le et peut-être rentrer en discussion, pourquoi pas. Pour faire de bonnes choses et sortir un nouveau roman. Oui, oui, effectivement. Ce sera intéressant. En tout cas, ce n'est pas un don que je fais à Émilie. elle veut voir la couverture. Merci beaucoup à vous, monsieur Dossavi. Merci d'avoir encore accepté notre invitation pour cette deuxième fois. On espère une troisième titularisation. Et forcément. Hein. Inch'Allah, comme disent nos amis musulmans. Voilà, Inch'Allah. Alors, je ne sais pas si vous aimez l'esthétique, vous aimez le soin de corps, vous aimez le soin de pied et autres. Vous ne me direz pas non, je crois bien. Ah non, non. Ah, bien sûr. Ouais. Et parlant de loisirs, des auteurs, des littéraires, c'est quoi le vote pour terminer? Dernière question pour vous. Le sport. J'aime beaucoup le sport. Le sport. J'aime bien le judo, même si je n'ai pas trop de temps pratiquer. Donc, je vais un peu à la salle aussi et courir un peu, histoire de. Ça permet de se libérer l'esprit aussi. Moi, il m'attendait à football. Ah non, par contre, je suis nul au football. C'est pas du tout. Littéralement, des sports comme ça. Des sports d'esprit. Il y a archéophilie. Le badminton. C'est comme ça, tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous allez rester avec nous, hein, parce qu'on va parler d'esthétique avec notre belle Sandra. Je ne sais pas si j'ai l'expertise pour ça, mais bon. Soyez là et vous verrez. Alors, Sandra, sans transition aucune, on y va. Nous avions commencé avec les soins de pied. Bien sûr. Il y a eu tellement de questions. Et ça a fait parler beaucoup. Oui, aujourd'hui, nous allons parler spécialement des talons fendillés. Yes. Afokpodi fin. Merci pour la traduction. Et Wanda, je ne sais pas si. Oui. Donc, déjà, par rapport aux talons fendillés, pour éviter les talons fendillés, déjà, il faut entretenir les pieds comme. On l'a dit hier. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de faire les soins de pied, ne serait-ce qu'une fois par an, comme la vidéo de la dernière comme fois. Comme la vidéo, hein. Oui. Comme on le voit à l'écran, vous allez voir plein de peaux mortes. Ça fait pas mal. Non, ça ne fait pas du tout mal. C'est moi qui dis. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est pour montrer
tout ce que nous traînons à la plante des pieds. Mmh. Nous avons de beaux pieds comme ça. Mais quand nous ne faisons pas les soins, on ne peut pas éliminer ces peaux mortes qui traînent. Mmh. Maintenant, quand vous avez l'habitude de le faire, ce sera difficile que vous ayez les talons fendillés. Okay. C'est très important. Mmh. C'est pour ça que je disais hier qu'il faut le faire ne serait-ce qu'une fois les 3 mois ou 3 fois l'année. Mmh. Vous qui l'avez jamais fait, pardon, c'est lancé. Alors, une fois les 3 mois, je suis un spécialiste. Oui, mais chez vous à la maison, voilà. Essayez de le faire au moins une fois par semaine. Les gens ont demandé la dernière fois de savoir les éponges pour les pieds. Ouais. C'est ce que j'ai en main. Là, vous avez la râpeuse pour la plante des pieds. Il faut démontrer, s'il te plaît. Ouais. Nous traînons avec plein de peaux mortes. OK. Normalement, tout le monde devrait avoir ça dans la douche. Dans sa douche. Elias. Voyez un peu. Ah, attendez, je reviens sur la phrase. Normalement, tout le monde devrait l'avoir. Normalement, tout le monde devrait l'avoir. Ah oui. Chez nous, à la référence, nous proposons des kits pour vous à la maison, pour les familles. Des fois, nous nous déplaçons pour faire à tout le monde. Ah oui. Il y en a qui se déplacent vers nous pour le faire. Maintenant, si vous ne pouvez rien faire dans tout ça là, ayez au moins la râpeuse chez vous, à la maison, dans votre douche. Ah. Je précise bien. Nous avions parlé de l'éponge pour les pieds. On ne prend pas l'éponge du corps ou du visage à utiliser aux pieds à cause des bactéries, des microbes, les champignons et mycoses que nous traînons. C'est vrai. Donc, c'est ça. C'est ça. Ça s'appelle râpeuse. Ah ouais? Ils sont clona fogon. Ils sont râpés na fogon, mais c'est ça. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, beaucoup ont demandé hier comment entretenir les pieds. C'était une question, elle est venue. Hein, elle est venue, oui. Pour cette phase, nous allons parler de l'entretien des pieds, mais autrement. Vous voulez éviter les crevasses, la première des choses, c'est d'hydrater les pieds. Aussi, Namida Fochin. Je sais que bon nombre d'entre nous n'ont pas ce temps. Ok. Oui. Bon, déjà, la dernière fois, vous avez insisté qu'on puisse éponger, on ne doit pas laisser de l'eau sur le pied dès qu'on sort de la douche. Effectivement, c'est-à-dire quand vous sortez de la douche, prendre le temps de bien essuyer la plante des pieds. C'est la première règle. Le vendredi, nous viendrons sur les astuces. Okay. Mais aujourd'hui, nous allons parler des règles pour éviter les talons fissurés. Okay. Sinon, nous avons des images, mais je ne sais pas où. Allez-y, nous avons des images de talons fissurés. On aime ce que vous dites déjà. À Fokpodi, Finfin, c'est vilain et ça met mal à l'aise. Et quand vous allez vérifier vos draps, vous avez le bas des draps qui se déchire. À cause de ça. J'ai vu l'auteur, l'auteur qui a fait... Si vous avez vos partenaires, des fois, vous dormez. Quand les pieds s'entrelacent et autres. Et cliquons-là, mais des abats faut voir. Aïe. Lui, on sait tous de quoi je parle. Ah oui. Et ça même. Non, mais quand je dis on sait tous de quoi. Là, vous avez l'image à l'écran. C'est quoi l'image là? Oui, à Fokpodi, Finfin, bien les talons crevassés, c'est ça. Ah oui. Ça commence par les peaux mortes. Vous-même, vous allez remarquer, quand vous touchez les pieds, c'est dur. Il y a certaines parties qui sont un peu dures. Là, ça s'aggrave. Ça commence bien. Et nous sommes en train de rentrer dans l'harmattan, qui s'aggrave encore. Ah. C'est-à-dire, avec l'harmattan, le changement de climat, ça s'aggrave encore. On salue Georgette depuis Cara qui nous a écrit. Elle dit qu'il y a tellement d'harmattan qu'elle n'arrive pas à sortir de la chambre. Yako, surtout pour le Nord. Ouais. J'ai un dossier. Comment s'en sortir de l'harmattan. Un dossier spécial Nord. Qu'on fera, oui, spécialement pour les gens du Nord. Allez-y. La semaine prochaine. Donc déjà, nous sommes en train d'appliquer une solution. C'est ça qui permet d'éliminer. Vous avez la grande râpeuse qu'elle est en train d'utiliser à l'écran. Okay. Mais la petite La petite est avec vous. C'est ça. Donc c'est juste pour dire que tant que nous n'enlevons pas, on va traîner toujours avec plein de peaux mortes. Maintenant, c'est l'accumulation. C'est-à-dire, quand vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver un beau matin avec les talons fissurés. OK. Alors, vous parliez d'hydrater, c'est ça? L'hydratation. Premièrement, s'essuyer les pieds. Oui, s'essuyer. Secondo, hydrater. Hydrater. Quand nous parlons d'hydrater, je ne dis pas à la pommade forcément que vous prenez pour vous pommader à appliquer, mais ayez du beurre de karité. Pour les pieds? Pour les pieds. Il est très important de chouchouter vos pieds, pardon. Ah, c'est vrai que c'est une partie du corps qu'on néglige. Tout le corps se repose à la plante. Est-ce qu'on peut mettre Azimi? Si vous avez Azimi, Elias. Azimi? Sinon, nous avons des huiles. C'est pas plutôt manier, mon ami, c'est mieux.
Sinon, nous avons des huiles qu'il faut prendre pour l'hydratation des pieds. Nous avons des huiles. Mais pour une personne lambda, du beurre de karité. OK. Ouais. Surtout pour ces messieurs qui ont les pieds un peu durs, bien la peau sèche au niveau des pieds. Avant d'enfiler vos chaussettes, appliquez un peu de beurre de karité. Ça commence par adoucir les pieds. Et quand vous venez faire les soins, vous avez les pieds doux comme les pieds de bébé. Oh. Chez vous, à la maison, allez, touchez vos pieds. Vous-même, vous allez voir si je mens ou pas. Là, actuellement, hein? Elias touchez fait vos tout pieds ça. À la maison. Ah, même Elias, bien fait. Même mon bureau. Même mon bureau. Oh, Elias non, fait on tout a ça. Pris le temps, sinon on allait tous faire ça. Hein. Oh, bon. Elias fait tout ça. J'allais faire le tour, voir les pieds. Non, Wanda a essayé les soins de pieds. Elias aussi. Il a témoigné. Elias aussi, quand même. Eh ben, bien sûr. Ouais. C'est comme si moi, je ne suis pas soin de pieds, moi. Non, j'ai rien. Alors, Nami, moi, j'ai une question. Ah, est-ce qu'il y a des gens naturellement qui ont des talons fondiers comme ça? Effectivement, il y a des gens naturellement, mais on ne naît pas avec. C'est la négligence qui donne ça. Zali, personne ne sort du ventre. Avec des pieds fondiers. Non, c'est pas héréditaire. Ouais. Non, c'est pas héréditaire. À moins que vous ayez la peau sèche, mais ça se corrige. Ça se corrige. Parce que tu vois, quelqu'un qui a une peau sèche se retrouve souvent avec les crevasses, les peaux mortes, plein de peaux mortes. Et vous allez remarquer, il y a certaines parties, et les détrôles, la desquamation. Ça commence comme ça. Maintenant, quand vous accumulez, vous n'entretenez pas. Et quand ça se fendit, les microbes, les mycoses et autres rentrent dedans, ça devient une infection. Donc, nous allons parler de tout ça le vendredi et apporter les astuces. Ah ouais? Okay. C'est pour ça qu'il faut suivre l'émission de vendredi, parce que toutes ces choses-là, je pense que bon, soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. Pour ceux qui les connaissaient, ben, enfin, ceux qui le connaissaient, c'est le lieu de... Sinon, je vous invite quand même à passer pour vos soins de pied. Si vous voulez, que vous offrez nous allons déplacer vers pour la Noël, gratuitement ou... C'est la promotion demi-tarif. Ah oui, spécialement Nectar. Alors, chers amis, vous avez suivi, on a pris plaisir, nous avons aimé. On va donc prendre le numéro de Navi 110, c'est le 90 27 92 00. Écrivez-la et passez commande, pourquoi pas, de la rappeuse, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous saluons Monsieur Papa Claude plutôt qui a été à la caméra. Nous saluons aussi Monsieur Simon qui a fait un bon travail comme d'habitude. On salue toute la régie coiffée par Monsieur Colani. On vous aime tous. Bye bye. Et restez sur la télévision togolaise pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.